Salut les lycéens, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va aborder le paratexte de la boîte à merveilles. Qu'est-ce que c'est que le paratexte? Vous mettez sous l'étude de l'œuvre, d'abord l'étude de le paratexte. C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Alors, une définition, donc le paratexte est l'ensemble des éléments qui entourent le texte. Il a donné l'exemple de la boîte à merveilles. Allez sur la page 3. Le chapitre 1, le soir quand tous dorment, etc. A dit, le début du le texte, story le texte. Donc, le mot paratexte, para et texte. Donc, le texte, le début de la boîte à merveilles, voit type la page 3. Tissé livre la page 249. Donc, les deux dernières phrases, je l'ouvris religieusement, toutes les figures de mes rêves m'y attendaient, Fès 1952. Donc, Tisseli, avec le texte, le roman de la boîte à merveilles. Avec Chilibra, Kamel Dakhif le paratexte, c'est-à-dire l'image, la maison d'édition, Dar Nashr, le titre, la préface, la préface, Moukaddima, donc on fait le roman de la boîte à merveilles. Maintenant, je me préface directement, Dinab, le chapitre 1. La préface. Qu'est-ce que l'auteur ou qu'est-ce un autre, une autre personne. Ou tu as des notes, par exemple, la boîte à merveilles, même si dans la page 250, tu as des éléments biographiques, tu as l'auteur. Tu as aussi la définition du récit autobiographique et aussi le roman autobiographique. Ou tu as la littérature maghrébine. Donc, tu as un peu le paratexte. Donc, en out, le paratexte, c'est l'ensemble des éléments qui entourent le texte. Donc, l'image, la préface, les notes, le titre, etc. Donc, je vais vous faire le paratexte. Dès que je vais vous faire de la vidéo, donc je vais vous poser des questions. Vous avez maîtrisé le paratexte du roman. Alors, c'est parti. La première question. Quel est le genre littéraire de la boîte à merveilles? Les réponses, une autobiographie, un roman autobiographique, une biographie. Et c'est parti. Donc, le genre littéraire de La Boîte à Merveilles, c'est un roman autobiographique. La Boîte à Merveilles, c'est un roman autobiographique, et d'où le genre littéraire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un roman autobiographique? Un roman autobiographique est un récit fictif et rétrospectif dont le personnage principal raconte une période de sa vie. Le genre littéraire. Le roman autobiographique, jamais même bien, juste les genres littéraires. Le roman d'une part et l'autobiographie d'autre part. Un roman, donc la définition, c'est une définition simple, c'est un récit fictif. Un récit, c'est-à-dire une histoire fictive, c'est-à-dire imaginaire, réelle. Et rétrospectif. Donc, la rétrospection, il y a le genre de l'autobiographie. Et rétrospectif, c'est-à-dire un retour en arrière, le passé. Le personnage principal, le narrateur, il y a une caractéristique de l'autobiographie, il raconte une période de sa vie, ou là, sa vie. Donc, ici, dans le roman de la boîte à merveilles, le narrateur, le personnage principal, il a la période de sa vie. Il y a l'enfance, c'est bon? Alors passons à la question suivante. Qui est l'auteur de La Boîte à Merveilles? Vous avez trois choix. Ahmed Zitouni, Sidi Mohamed, Ahmed Sfraoui, et c'est parti. La bonne réponse, c'est Ahmed Sfraoui. L'auteur de La Boîte à Merveilles, et Ahmed Sfraoui. Ahmed Sfraoui est un écrivain marocain. Écrivain, c'est quelqu'un qui écrit des romans, des nouvelles marocains, d'origine diallo, d'expression française, Eddy Mohim. Donc c'est un écrivain marocain, qui est-il? Marocain, d'expression française, c'est-à-dire il écrit en français, en arabe, donc les romans diallo, Kamlin en français. D'expression française. Donc, Arloul Ahmed Sfraoui est un écrivain marocain d'expression française
Il est né en 1915, écoute Samir Moustache, à la ville de Fès. Et décédé, c'est-à-dire mort, le fait Diallo, en 2004 à la ville de Rabat. Question suivante. Quelle est la nationalité d'Ahmed Sfrioun? Une question très simple. Tunisienne, française, marocaine. Et c'est parti. La nationalité d'Ahmed Sfrioui est marocaine, nationalité marocaine. Question suivante. En quelle année le roman La Boîte à Merveilles a été publié? Vous avez trois réponses. En quelle année le roman La Boîte à Merveilles a été publié? Et c'est parti. 1952, 1954, 1956. La bonne réponse, c'est 1954. La date de publication, ce qu'on appelle le lien, il y a où le genre littéraire, la nationalité. La première question, la contextualisation. Donc, la date de publication de La Boîte à Merveilles est 1954. Question suivante. En quelle année le roman La Boîte à Merveilles a été écrit? Là, la date d'écriture, c'est la date de publication. Trois choix, 1952, 1954, 1956. 1952, 1954, 1956. La bonne réponse, c'est 1952, comme à la fin du roman Fès, la ville, 1952. Ahmed Sfraoui est un écrivain du 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle. C'est le 20e siècle. Ahmed Sfraoui est un écrivain du 20e siècle, déjà de 1915, par le biais du temps Diallo, le 20e siècle. Il est mort en 2004. Question suivante. Le roman La Boîte à Merveilles fait partie de la littérature maghrébine d'expression française, la littérature française, la littérature arabe. Voilà, c'est parti. La bonne réponse, c'est la première, la littérature maghrébine d'expression française. Donc la littérature maghrébine, d'expression française. Donc le roman La Boîte à Merveilles fait partie, la littérature maghrébine d'expression française. Donc qu'est-ce que c'est que la littérature maghrébine d'expression française? C'est l'ensemble des œuvres, ou moi dire le double qui s'appelle, les œuvres écrites par des auteurs, kouteb, maghrébins. Le Maghreb, le Maghreb, c'est trois pays, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Il y a des auteurs marocains, algériens et tunisiens en langue française. Donc, les écrits de l'homme qui s'appelle la langue française. L'expression française. C'est bon. Question suivante. Dans un roman autobiographique, la relation entre le personnage principal, le narrateur et l'auteur. Dans un roman autobiographique, le personnage principal égale le narrateur égale l'auteur. Le nom. Le personnage principal égale le narrateur, mais il est différent de l'auteur. Le nom du personnage principal est différent du nom du narrateur et différent du nom de l'auteur. Voilà, je vous laisse le temps de réfléchir et c'est parti. Alors, la bonne réponse, c'est la deuxième. Le personnage principal égale le narrateur, mais il est différent de l'auteur. On va expliquer ceci. Donc, le roman autobiographique, La Boîte à Merveilles, est un récit à la première personne. Le roman, donc, a dit la domination du pronom personnel je. Donc, c'est une caractéristique de l'autobiographie.
Déjà, tu vois, on a un personnage principal, où le narrateur, il raconte sa vie ou une période de sa vie. Donc, le jeu, le roman, La boîte à merveilles, renvoie au narrateur, Rawi, et aussi, il renvoie au personnage principal. Donc, le narrateur égale le personnage principal, c'est la même personne. Et le narrateur et le personnage principal, dans la même personne, ou Sidi Mohamed. C'est bon? Amabnisba, l'auteur de La boîte à merveilles, il s'appelle Ahmed Sfraoui. Voilà. Donc, le narrateur, ou le personnage principal, ou Sidi Mohamed, et l'auteur, c'est Ahmed Sfraoui. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance.